Bonjour mon bon Scientim, j'espère que vous allez bien. Eh oui, après 2 semaines d'absence, ça me fait plaisir de vous retrouver. Franchement, vous m'avez vraiment manqué, ouais, vraiment. Puis je vois que certains, puis surtout certaines, là, je t'ai connu comme ça, mais attends, t'as bien grandi, hein. Franchement, pas mal, c'est bien. N'importe quoi, bon bref. Alors, eh bien, écoutez, aujourd'hui, courte vidéo, on va parler de 2 sujets. Premier sujet, c'est la vidéo en fait d'indice hein, de notre prochain invité dont je déposerai l'interview ce jeudi dans la journée. Hein. Donc je vais vous donner quelques petits indices bien gratinés, hein, histoire que vous puissiez un peu déjeuner. Je vous laisse un peu travailler. Et deuxième sujet, je vais vous parler d'un partenariat hein, qui va rentrer dans mon sillon. Hein. Et je vous en parlerai un peu plus longuement juste après les indices. Et bien c'est parti, allez hop. Indice. Alors, j'ai toujours voulu consacrer un interview à la funk, et plus particulièrement à cette funk des années 80. Cette funk des années 80 qui va donner plus tard la house music. Cette funk des années 80, je la trouve d'une richesse incroyable et surtout d'une expérimentation musicale incroyable. Surtout qu'en plus, il y a certaines machines, des drum machines, qui sont utilisées par le funk, qui seront plus tard, une dizaine d'années plus tard, utilisé par la house music. Hein. On peut parler de la 808, la 909, voilà. Et puis il y a des machines qui sont vraiment consacrées au funk et des synthés. On peut parler un peu de la Lindrum, hein, pour ceux qui sont des fins connaisseurs de la funk. Cette Lindrum, mais surtout avec ses claps qui déchirent les oreilles. Hein. Et bien sûr le fameux D7, ce synthé hein, qui fera tout le son des années 80 et plus particulièrement bah, le son du funk des années 80. Et bien j'ai trouvé un artiste. Et c'est pas n'importe quel artiste. C'est un artiste qui a un spectre d'activité de fou, malgré son jeune âge. Parce qu'il débute sa carrière en 1998, d'accord? Mais il a déjà une carrière de fou, voilà. Et pour vous dire, donc il débute sa carrière en 98 dans une cité, hein, parce que c'est un artiste qui vient de la cité. Et l'histoire, en fait, du funk en France, elle s'est faite déjà d'abord dans les cités. Comme le hip-hop, hein, vraiment. Voilà, à se partager des cassettes, à commencer à former des groupes. C'est son cas. Il va former son premier groupe de rap G-Funk en 1998. Pour ensuite vraiment venir au pur funk des années 80. Ce funk des années 80, lui, eh ben, il va en créer 2 labels. Il va en créer un magasin spécialisé de vinyle. D'accord? Il va en créer un groupe. Hein. Il va même, par rapport à ses sorties vinyles en plus, hein, il est aussi illustrateur. Donc vous imaginez, vous allez avoir en pleine vue un artiste, jeune artiste, qui est producteur, vendeur de disques, illustrateur, parce qu'il fait aussi des fanzines, parce qu'il a un coup de main, parce qu'il a fait une école des arts en plus. DJ, il est aussi DJ. Musicien et chanteur de son groupe aussi, hein, parce que vous allez voir. Il a ce groupe vraiment, et je trouve très intéressant même dans les sons. C'est incroyable ce funk des années 80. Il fait même participer à sa femme, qui sera aussi au chant. Hein. Vous allez voir la rencontre de ces musiciens, de ces chanteurs, comment il a formé ce groupe, qui va ensuite tourner même aux États-Unis, hein, jusqu'en Californie. Voilà. Donc, franchement, je suis très content de vous offrir un artiste très underground, parce que je pense que vous. Il y a peut-être que les passionnés de France qui vont peut-être avoir déjà, je pense, les oreilles qui vont déjà titiller en disant « Ouais, bon, je sais de qui tu parles. » Mais le reste, comme des gens comme moi qui sont plus dans une mouvance peut-être house music, ouais, je pense que ça va être compliqué de vraiment deviner l'artiste. Voilà, il faut vraiment avoir des petites ramifications, des petits liens avec le funk. Voilà. Moi, j'ai eu ce lien grâce, et je le dis aussi dans l'interview, grâce à Rojdi. Rojdi, que vous pouvez me retrouver à l'ambassade ce vendredi. Waouh! Hey, une petite pub en passant. Voilà. C'est Rojdi qui m'a dit, mais tu ne peux pas passer à côté du funk. Parce que si tu passes à côté de ce funk des années 80, tu passes de la house music. Parce que vous allez voir que dans ce funk, des chanteurs des années de ce funk, comme Alexander O'Neill, je peux citer... on peut citer Colonel Abrams, on peut citer Michael Watford, on peut citer Jocelyn Brown, NDA Davenport. Tous ces artistes-là, en fait, ont chanté dans le funk, on les retrouvera après dans la house music. Voyez? Donc, il y a un lien. Ce funk vraiment a vraiment déterminé
à ce que est la house music dans les années 90, plus particulièrement, parce que c'est là en fait on va, il y a un mouvement qui va arriver, qui est la house vocale, voilà, qui est dit garage, hein, qui va vraiment émerger grâce, voilà, à grâce aussi, grâce aux racines du funk, voilà, tout simplement. Donc je suis très heureux de vous présenter un artiste que peut-être vous ne devez pas connaître, mais vous allez voir, c'est un super interview, vraiment. J'ai eu du plaisir à faire cette interview. J'espère que vous allez avoir du plaisir à le regarder, vraiment. Voilà, profitez de regarder cette interview parce que, en fait, vous allez voir, je mets des bandes son, pas mal de bandes son dans cette interview. Et pour les droits d'auteur, je pense que, je sais pas si l'interview restera complet parce qu'au bout d'un moment, YouTube va peut-être me bloquer, en fait, à cause des droits d'auteur, hein, des ayants droit. Et je peux vous dire que dans le funk, il y en a énormément aussi. Surtout quand vous touchez au funk américain, les licences sont hyper draconiennes. Voilà. Voilà. On laisse pas de. Voilà. Donc j'ai quand même. Voilà. Je me suis débrouillé. Hein, voilà. Donc, écoutez, ce jeudi, je dépose l'interview. Et puis, comme à chaque fois, écoutez, voilà, commentez, partagez, abonnez-vous sur YouTube. C'est très important. Vraiment le marteler. Parce que c'est ça qui va déterminer, je veux dire, le futur de mon grand sillon. Hein. Voilà. Donc, abonnez-vous sur YouTube si ça vous plaît, ce que je vous présente. Voilà. Hein. Et puis aimez. Hein, voilà. N'hésitez pas aussi à commenter. J'allais dire son nom en plus. Ouh là là. L'artiste est même prêt à répondre à vos questions. Hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà pour la première partie. J'allais le dire. Hein. Waouh, waouh, waouh. Deuxième chose, je vais vous parler d'un partenariat, parce que juste après cette vidéo, je vais vous mettre un clip. En fait, comme vous êtes amoureux des stickers de Mon Bon Sillon, parce qu'à chaque fois que je vais dans une soirée, vous me demandez, t'as pas le stickers de Mon Bon Sillon? Là, je commence à plus en avoir, je suis désolé. Donc, écoutez, est venu en aide, voilà, un magasin de disques qui se trouve à Marseille, hein, qui s'appelle Galette Records. Hein, et d'ailleurs, Galette Records, il y a qui? Il y a Olivier de Galette. Un fou aussi de, alors lui plus particulièrement bien sûr de hip-hop, de rock, de hard rock, parce que si vous avez vraiment vu aussi son interview que j'ai pu lui consacrer avec son frère Teddy, eh bien vous allez voir son histoire. Voilà. Donc Galette Records, c'est rue Saint-Barthélemy à Marseille. Vous y allez. Je mets tout de suite l'adresse qui défile. Voilà. Et voilà, voilà. Eh ben voilà, voilà. C'est plutôt un clip de promotion et de soutien. Pour ma part, envers ce magasin disque que je trouve vraiment génial. Et puis, en contrepartie, voilà, grâce à Olivier, que je remercie, eh ben, j'aurai un peu plus d'autocollants, de stickers à vous donner. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Bon sillon, partenariat. Bon partenariat. Voilà. C'est le premier partenariat. Donc, bonjour Galette. Voilà. Ouh. Eh bien, écoutez, on se donne rendez-vous ce jeudi pour l'interview, d'accord, de l'artiste. Et puis, écoutez, mille merci pour vos soutiens. Hein, vraiment, vraiment un grand merci. Voilà. Soutenez, si vous aimez vraiment Mon Bon Sillon, soutenez. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Mettez des j'aime, commentez, participez au forum. Voilà, c'est ce qui fera la suite de Mon Bon Sillon. C'est vous qui feront la suite de Mon Bon Sillon. Voilà, ok? Merci à tous. Bonne journée à vous. Ami Mon Bon Sillon, salut, ici Olivier à Galette Records, Marseille. Voilà, Galette, la Galette. On nous a demandé de nous présenter, alors je vous présente succinctement. En fait, on est un disquaire comme les autres. On essaye d'avoir un choix éclectique et large. On essaye aussi de mettre en avant beaucoup Marseille, parce qu'on est à Marseille, mais tout le reste dans le monde, et on a de tout ce qui est black music, électronique, rock, metal et tout style en gros, mais on essaie d'être relativement pointu. Donc ce qu'on a à mettre en avant, c'est le French 79, qui est producteur marseillais bien sûr. Ensuite, notre ami DJ Mohar pour le hip hop jazzy, ses compiles qui tuent. Les compilations de jazz funk japonaise Wamono A to Z, il y a plusieurs volumes. Et j'avais envie bien sûr de vous présenter, on ne le présente plus, Roy Ayers ou les Beastie Boys. Et puisqu'on est à Marseille, on a quand même l'avantage d'être supporté par IAM directement. Donc on reçoit
des tirages style Akhenaton versus Nicola Craven, part 1 and 2. C'est des tirages limités rares. Le dernier, IAM va fêter les 50 ans, donc ils ont sorti Soldat de Fortune de Akhenaton, dédicacé. Voilà, on a quasi l'exclusivité. On vous présente aussi David Walters. Voilà. Après, on est disquaire, on vend du vinyle, un peu de CD, mais on a beaucoup recherché. On présente aussi des plaques métal décoratives. On a trouvé un artisan qui nous le fait. Et on voulait que ce soit de super qualité. Donc voilà, on a Amy Winehouse, on a plein de styles, Matt Villain, etc., etc. Que vous pourrez retrouver sur notre site www.galette-records.com. C'est Marseille, bébé. Marseille.